Il est une circonstance, parce qu'il faut dire, dans sa contrat qui finit à lui par CB, finit là ce qu'on appelle malin et malade. Et correct cela, litigien un letter of intent de un, appelé un estate agent, right, qui a un lien privilégié avec Terra. Il gagne ça, parce qu'il nous connaît qu'il y en a dans sa request for proposal là. Après, comment me dire, taillé sur mesure pour lui, parce qu'il y a un soutien gouvernement bel et bien là-dedans, et CEB pas capable de régner ça. C'est qui me dit, finit là, insider dealing dès le commencement. Un, l'exercice de fraude. Deuxième, penal level playing field. Troisième, un tirade entre ce qu'on appelle ban IPP existant de l'industrie sucrière et ban les autres soumissionnaires, parce que l'industrie sucrière a un avantage comparatif avec la terre qui est là. Et comment on dit, si ban soumissionnaire peine à soutenir le gouvernement, c'est bon. Parce que CEB, sur l'exercice de tender fraud depuis le site, la terre, substation et Wally Memphis. Cause ça même qui nous peut dire sa Freedom of Information Act, rapport qui t'y préparé par Jeffrey Robertson, qui a été gardé dans un tiroir et qui diagnose père pour mener. Une réponse de la parlement. Je peux continuer dans une politique de l'opacité. Pour plus de vidéos, cliquez sur like. Abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.